Nous allons voir une petite démonstration de la synthèse vocale avec le navigateur Firefox, la dernière version, la version Quantum. Alors cela fonctionne avec ce qu'on appelle un petit module complémentaire, une extension Text-to-Speech, qui permet, comme vous pouvez le voir ici dans les préférences, d'utiliser soit une version Google, soit une version HTML5 de voix. Ici, c'est la version Google. Je sélectionne ici le texte, par exemple le premier paragraphe. Apparaît ici une petite bulle sur laquelle je vais cliquer et mon navigateur va lire le texte sélectionné. Gutenberg a-t-il inventé l'imprimerie ? On peut se poser la question dans la mesure où, dans plusieurs pays d'Europe, on revendique la paternité de cette invention. Il est vrai qu'à l'époque, au XVe siècle, nombreux étaient ceux qui cherchaient un moyen de fabrication mécanique qui permettrait de multiplier rapidement et à moindre coût le nombre d'exemplaires d'un même livre. Voilà, donc très pratique quand on veut faire lire le texte par le navigateur. À bientôt pour un autre tuto.